Ouh, il m'a touché quand même, le bâtard! Oh, oh. Putain, le grenouille géante à la con, qu'est-ce que ça fait du bien, je me sens mieux. Ça me contractait la poitrine, je me sentais pas bien. J'avais une envie de meurtre, et ça y est, c'est fait. Bon, il m'a quand même touché! Il m'a quand même touché, mais quelle saleté, putain, de Hunter! Ah, je me sens mieux. Ah, je me sens tellement mieux, là. Ça fait du bien. Donc, de retour sur Resident Evil Code Veronica, à l'endroit même de ma dernière mort, je vous rappelle, hein, par ces deux petites saloperies vertes. Salut à tous. Et allez, on va continuer notre petite partie avec Chris. J'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'à l'extérieur du centre de l'île de Roquefort. Deux cartouches de fusil à pompe, très très bien. Hein ? D'ailleurs, c'est marrant parce que ces cartouches-là, elles sont là depuis le début. Mais les caisses qui étaient là, elles étaient empilées. Et donc, tout est tombé. Il y a une cohérence, en fait. D'accord. Mais et je peux pas y aller, là, de ce côté ? Ah oui, c'est vrai, il y a des tonneaux, j'allais dire, mais comment ça se fait que je puisse pas y aller? Alors, juste avant, voilà, mon pauvre Chris, t'es comment, là? Ouais, faudrait que je fasse attention que c'est que de ne pas tomber sur d'autres hunters, on sait jamais. Juste avant, j'aimerais juste tester la clé entrepôt que j'ai en moi depuis trop longtemps. Puisque j'ai remarqué qu'il y avait un truc fermé, mais je soupçonne, en fait, que ce soit le pass de Claire... qui puisse l'ouvrir en fait, le passe-partout. Et que je suis pas retourné dans cette salle. Voilà, ça là. Voilà, je ne peux pas l'ouvrir. Ok, comme ça c'est fait. Ah, et autre chose. Vous savez que j'ai besoin de trouver un blason. Et qu'il faut opérer sur lui un changement de température. Enfin, utiliser une certaine formule chimique à une température précise. Pour le faire changer ce blason. Et je cherchais justement cette température qui correspond à la date où le centre a été créé. Et du coup je l'ai trouvé en rejouant toute cette partie tout seul, vous savez, pour revenir à cet endroit là avant que le hunter me tue. Et en fait effectivement sur la maquette là où j'ai placé le tank miniature, eh bien il y a la date. Et la date c'est le 8 décembre, donc j'ai le code aussi. Je peux rentrer ici maintenant? Ouais, là je peux plus y aller. Hey, on n'ira pas dans le palais apparemment. Ou alors pas par là. Et là par contre je peux y aller. Là je peux y aller. Ok. On avance un petit peu. Sur les traces de Claire, hein, parce que c'est elle qui avait ouvert cet ascenseur. Oui, non, mais c'est bien fait des sacrifices de Hunter pour moi. Si vous avez des statuettes, des figurines, ce que vous voulez, allez-y, brûlez-les. Saleté, quoi. Non, mais en vrai, j'ai dû bien rejouer une demi-heure tout seul pour rattraper ma dernière mort. J'étais un peu dégoûté, hein, je vous cache pas. Alors, ah, une boîte. Donc, bah, attendez, je vais en profiter. Je vais reposer ça. Ah, sur moi, j'ai ça aussi, le passe-emblème. Bah parce que Claire elle l'avait laissé dans la boîte et moi j'ai pu le récup, la magie, et je vais en avoir besoin. Je vais le sauvegarder puisque de toute façon, des soins j'en ai plein et je vais même me permettre, vu que j'ai ma petite plantation là, voilà, mon petite plantation personnelle, non mais c'est juste pour mon utilisation, hein. Je la revends pas, et bah j'ai le droit de piocher dedans aussi, allez. Parce que là, ça m'énerve de voir Chris se tenir l'épaule comme ça. Parfait. Le 19 se garde. Je me fais vraiment plaisir. Je dis ça parce que... Vous savez, le défi habituel dans un Resident Evil, c'est de sauvegarder le moins souvent. T'as souvent d'ailleurs un rang que tu peux... obtenir en sauvegardant par exemple moins de 3 fois. Je vais éviter. On sait jamais, il y a peut-être des hunters sur la route. Il y a quoi? Oh punaise! Vous l'avez entendu? C'est un hunter. Je l'ai senti. Hein. Alors hop. Et on pense à recharger. Bim! Tiens, grenouille à la con, va!
Ah, ça frime beaucoup moins. Ah, c'est dommage, il a pas crié. J'aime bien quand il crie le Hunter. Le mec un peu bizarre, tu sais. J'aime bien quand le Hunter crie. On connaît cette salle, oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont apparues par là, des choses nouvelles. Alors, je sais pas vraiment vers où aller. Il y a cette plateforme là-haut. C'est pas là où j'avais viré un gaz ? La toute dernière partie, j'avais viré un gaz ici, justement. Il y avait plein de zombies. Ah non, d'accord, ok. La passerelle que Claire a fait monter à l'étage, du coup, elle est plus ici. Ok, je voyais pas ça comme ça. C'est logique, en fait. Du coup, je sais où aller. Ah, ils font moins les malins, ouais, tout seuls, les hunters. C'est vrai. Je peux utiliser ça. La machine est éteinte. Ouais, c'était plus pour Claire. Allez. Ce qui fait que là, je vais revenir là où il y avait l'hydravion. Et je peux baisser le levier, éventuellement, pour revenir vers le bas. Ce serait utile de faire ça. Putain, il y avait plein de zombies ici, je m'en souviens. Ah, à tous les coups, ils sont relevés. Ah ben, à tous les coups, eux, ils sont relevés, il y en avait plein. Ils étaient, selon Claire, morts. C'est eux, ils font des bulles. Là, il y en avait plein. Regardez, non, mais ils vont se relever, ceux-là. Même Chris, il les regarde, genre... Il y a eu le bordel ici. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Il y a eu des caisses un petit peu sur les côtés. Et ça, c'est quoi? Ouais, là, c'est quoi ça? Régler et lire les instructions. Remplir le réservoir à l'aide des 3 cylindres. Niveau d'huile requis dans le réservoir, 7 litres. En cas de pression trop faible ou trop élevée, le mécanisme ne fonctionnera pas. Ah, mais en fait, même si j'avais essayé de régler le pont, ça aurait pas fonctionné, c'est ça? Ah, mais il y a un truc qui est pété. Ah ouais, il y a un... Attends, comment ça marche? 5. Là, je te remets 5 litres. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça explose. Ah, ok. C'est que quand il n'a pas tout mis, il le garde en réserve. Donc là, il y a... Il y a 5 litres. 5 litres. D'accord. Ouais. Il est trompeur, leur jauge là, elle trompe un peu. Parce que du coup, tu peux pas compter dessus pour savoir combien t'as réellement. Donc là, j'ai coupé. Ok, donc faut le remplir complètement. Donc là, il doit y avoir 3 litres, je sais pas, ou 2 litres 5, c'est à la moitié. Thank you.
Donc là, il y aura... bah voilà. Donc, il y aura... 7 litres, là. Si je verse les deux là. Et dans celui-là, il y en avait 4. Et là, lui, il y en a 3. Ouais, c'est bon. Un peu pérave comme, comme énigme. Ah bah tiens. Là, il y a un truc derrière. Une cartouche de fusil à pompe. Allez. Genre, il y a la petite musique qui fait peur. Attends, et moi, j'ai vaincu The Hunter d'abord. J'ai pas peur de vous. C'est tellement... Mais les mecs, vous êtes prévisibles à ce fuck. C'était tellement logique, vous alliez vous réveiller. Bon, merci pour les balles. 15% il me reste dedans, il va falloir que je fasse gaffe. Y'a rien d'autre. Fallait pas se lever, hein. Bon bah voilà. Du coup, je vais pouvoir revenir là où il y avait le chemin. Pourquoi je fais ça en fait? Logiquement, maintenant, le pont, il doit pouvoir fonctionner. Et voilà, mon petit chemin est débloqué. Prudent. En fait, je me demande pourquoi, enfin, quel est l'intérêt de revenir par, de, par là-bas. Hé hey. Viennent bien là, silencieusement jusqu'à toi là. C'est taleté là. Et puis ils bouffent bien les fusils à pompe, hein. Vas-y. En attendant, j'ai une petite réserve de grenades. C'est bien que je les touche pas. Ça va être utile un jour ça. Ah, vous par contre. Les zombies ça se respecte. Ils sont fusils à pompe, voyons. Regardez ça. Le petit cadeau. Merci Dédé. Ah tiens, attendez. Un petit ruban encreur, c'est pour ma collection. Ouais, je fais la collection de rubans encreur. J'en ai plein dans mon coffre. Dernier petit râle. Bon, les poissons, ils vont bien. Qu'est-ce qu'on a de ce côté, déjà? Je suis complètement perdu dans ce centre, moi. À chaque fois que je le visite, je sais jamais... Il y a quoi? Ah! Il y a des hunters! Oh. Ah là là! Il va falloir faire quelque chose, là. Me débarrasser de Meuzi. Bim! Surprise! Et le pauvre, il s'y est pas attendu. Ça fout une balle dans le cul. Voilà, et donc là, c'était là où il y avait l'hydravion. Mais attends. Ah! J'en ai besoin de ça! Les emblèmes! Je vous montre du doigt. Vous avez vu? Là, là! Mais il faut que, du coup, je désactive le courant. Et oui, c'est pour mettre dans la salle où il y a... bah, la maquette, justement. Je vais plus avoir beaucoup de place après là. Ouais. Ah oui, et ça du coup c'est là où... ouais, c'est vide. C'est là où était le Hunter.
C'est là où Wesker est arrivé avec ses petits animaux de compagnie, quoi. Comme nous, quand on va au veto, on a la caisse de transport. Bah lui, il fait pareil. Je le vois bien dans la salle d'attente avec ses petites caisses de transport pour Hunter. Trop mignon. Et j'ai toujours pas trouvé le fameux blason. Le sous-marin. Du coup, le sous-marin, est-ce qu'il est là ou pas? Ouais, mais non, normalement, je peux pas le rappeler, le sous-marin. D'ailleurs, le sous-marin, pour qu'il fonctionne, j'avais besoin des blasons, non? Ouais, voilà. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai trouvé les... Putain, y'a... Avec Chris, c'est peut-être le défaut que je vois, en fait, à la campagne de Chris, c'est qu'on fait plein d'allers-retours. Ce qui fait que là, faut que je retourne de nouveau en arrière, que je retourne dans la salle de la maquette et que je pose les trois blasons. Enfin, les trois emblèmes. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui ? Poison ! Ils ont muté ! Ils ont muté. Il y a un swap color des hunters qui se baladent maintenant. Oh, c'est génial! Oh non! Oh, j'avais vraiment pas besoin de ça. En plus, ça m'a empoisonné, quoi. Oh non! Ah, mais c'est... Déjà que le hunter était quand même sacrément chiant. Mais maintenant, je vais devoir me manger les hunters... la variante. C'est comme le Covid, il y a la variante, tu vois, c'est peut-être la variante anglaise des Hunters, tu vois. Personne? Vous êtes pas genre, hein. Je sais bien que vous êtes protégé par l'angle de la caméra. Attends, il y avait une plante verte, là. Ah ouais, mais attends, ah mais si, je peux la prendre parce que j'ai bouffé ma plante. On va en profiter, d'ailleurs. Pour récupérer aussi la boisson... Enfin, la boisson, le liquide et la boisson. Faut surtout pas boire ça. Alors, le, voilà. L'herbe bleue. Je peux la consommer telle quelle ou... Elle est brute. Voilà. Dis bien. Je l'imagine avec plein d'herbes entre les dents. Donc le voilà. Ça, en fait, c'est le liquide qui doit être exposé à une certaine température. Oui. Donc, la date, c'est 8 décembre. Ah, d'accord, donc c'est à l'anglaise, 12 degrés 8. Ouais. C'est bon, il est devenu bleu. Effectivement, c'est ce qu'ils avaient dit. Et je peux le récupérer? Et j'ai du Clément. J'ai Clément dans la poche. Oh, putain. Oh mais Pire ennemi du jeu. Tiens. Ah. Les Chris, putain. Apprends vite. Ah, les Chris. Il mise au-dessus, lui. Il m'a empoisonné. Ah non, mais je suis méga faible. Ah non, je veux pas mourir, hein. Ah non, mais le Hunter, ça va devenir ma hantise. Je vais raser les murs, maintenant. Bon, attends, il faut que je me dépêche, là. Je vais où? Il faut que j'aille poser mes blasons. Là il pourrait éventuellement me tuer en un coup, je pense. Et vu que je suis à peu près sûr qu'il y en a à peu près partout, maintenant, là, qui ont dû réapparaître... Donc le blason, il était... Oh, ouais, non, mais avant le blason, il faut que j'aille chercher des soins, là. Hey ! Ah, putain ! Non ! Mais c'est quoi cette merde ? Il a fallu que je tombe sur le zombie de Chuck Norris, quoi, mais... What ? Ça va pas, là, ça va pas. Alors, on va essayer de faire le fameux... Il faut viser vers le haut avec le fusil à pompe.
pour faire un scrotch. Bim. Ah, ça a bien marché, j'ai bien entendu la giclure là. J'ai un peu peur de manger un zombie dans les dents quand même. Je suis un peu inquiet, je vous cache pas que je suis un peu inquiet. J'ai envie de me refaire tout ça, mais pourquoi j'ai pas sauvegardé? S'il y a un truc qui sort des bacs là, je me casse. Je ronge la porte avec les dents s'il le faut, mais je... Attends, je suis pas très loin d'une salle de sauvegarde. Normal qu'il y ait des mouvements là dans l'eau. Le hunter qui barbote. Je ne me sentirai bien que quand j'entendrai la douce musique de la sauvegarde. Là, je vais stresser. Ah ! Ah non ! Ah ! Oh, putain de merde ! Ouais, tant pis, je vais ressortir, je vais me manger un hunter, mais au moins, c'est bon, je suis là. Je vais pouvoir me soigner, je vais pouvoir sauvegarder, je vais pouvoir kiffer la vibes. Ah oui. Ah, c'est bon, j'y suis. Bon, toi, tu dégages. Du coup, on va reprendre... On va prendre le bon petit flingue. Et des balles. Ah ouais, non, mais ça fait du bien cette musique, hein, je suis d'accord. Ah, je vais sauvegarder parce que là, je pense que ça va très très mal se passer cette partie. Bon, je vais garder mon ruban qui est là. Ça, je le garde sur moi, évidemment, je vais l'utiliser là très vite. Ça, je vais le garder, je vais en avoir besoin. Et le petit flingue. Ah, c'est vrai que les emblèmes, là, ils prennent de la place, hein. Ok. Et je vais évidemment reprendre un soin avec moi parce que il y a de fortes chances que j'en ai besoin en fait. Oui, bah oui, je peux toujours affronter les hunters avec le couteau. Y a pas de problème. C'est pas du tout dangereux. Ah là. Ah non, mais là vraiment, je vous jure, je souffle. Faudrait que je fasse un peu de ménage là-dedans, c'est un peu le bordel. Et j'avais dit que je reprendrais un petit soin, j'en ai plein des soins, ça c'est pas un souci. Bon. J'ai quoi là sur moi? Ouais, parce que je vais ressortir. Direct, je me mange l'hunter. Je vais essayer de courir, mais... tiens, petit bâtard, va. On dirait d'Hunter que... Tu sais que t'as modifié sous Photoshop, ils sont chelous, en vrai. Bon, ok. Il m'a bien touché. Et ils font mal, en plus, eux, hein. Bon, retour à l'ascenseur. Attends, retour à l'ascenseur. Ah, mais attends, mais non. Ça veut dire que je vais devoir reposer mon précieux fusil à pompe. Alors, je peux pas le garder, le fusil à pompe, vraiment. C'est-à-dire que si j'essaye de remonter par l'échelle, l'ascenseur, il est plus là. En fait, je peux pas le rappeler. Ce qui fait que, pour revenir à l'ascenseur, je suis obligé de passer ici. À ma gauche, il y a quoi, déjà? Il y a quoi, ici, déjà, là? Eh, mais attends. Là, j'ai un truc à faire, aussi. C'est là où il y avait le gaz. Je sais pas à quoi ça sert de venir ici. Voilà, le gaz, je l'ai dispersé la dernière fois. Oh. Attention, t'as jamais dit qu'il fallait pas se faire tirer dessus dans les escaliers, c'est dangereux. Oh.
le super flingue de Claire me manque un peu quand même. Hein. Tellement plus efficace. Un zombie meurt très très vite quand il se reçoit... 3 balles en même temps. Quoi. Bon. Ok. Bien. Il y en a encore ou pas? Ah, oui. Un petit, putain, mais ils étaient nombreux ici. Ouais, mais comme il est derrière la grille, okay. Si j'avais eu la carte avant, j'aurais pu l'activer de l'autre côté, mais forcément, j'avais pas pensé. Ce qui fait que maintenant, j'ai accès à ça. Il y a quoi ici? Quoi ça sert? Alors c'est pas parce que c'est un Hunter vert normal qu'ils sont pas dangereux en fait. Hein. Bon, là il y avait un établi si je me souviens bien. Ah, vas-y, modifie. Que du coup je vais avoir un flingue un peu comme Claire. Ah non, pistolet amélioré. Sacré punch. Et ça là, je peux pas le récup. Oh, attends. Clément A. Oh. Et je peux les mélanger. Je peux faire un peu de chimie là. Oh. Le mélange Clément. Bon. Je vais faire comment moi pour le Hunter qui est dehors là, putain! Mais en fait, ça se trouve, je suis juste venu pour le Clément! Allez, Chris, cours! Il t'a pas vu! Hop! C'est génial! Le seul jeu où tu peux faire de la discrétion avec l'Hunter. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici ou pas? Ah mais ouais, ça sert à rien. J'aurais mieux fait de partir. Ouais, j'ai mon mélange, mais j'ai pas l'emblème. Chut. Coucher. Ah mais putain! J'avais dit coucher. Je peux encore me prendre un petit coup, je pense. Même si le Hunter ils font mal et que, bah. Pff, ouais, j'ai peut-être pas trop frimé, hein. On a vu la dernière fois ce que ça donnait. Donc, j'ai bien fait de revenir ici. C'était pour le petit mélange. Le mélange Clément. Et si vous vous appelez Clément. Bah, dédicace. Voilà, faudrait que j'aille au rez-de-chaussée. Non, au premier étage. Non, rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. On va déposer mes emblèmes, ce qui déjà me fera un peu de place, parce que je vous avoue que je suis un peu chargé, là. Mais je trouve que, quand même, avec Claire, je me baladais un petit peu. Chris, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y aurait des zombies dans votre centre zombie? Ça a l'air bon. J'ai un cousin appelé Clément. Peut-être que ses parents étaient fans de Resident Evil. Alors, c'est donc ici que je dois poser mes trucs, mes seaux. En fait, c'est des seaux. Ils sont seaux alors. C'est dommage que j'ai pas pris le petit ruban encore là. On va faire une petite sauvegarde. Je suis tellement en flip. Alors, un levier. Ah, il y a un passage. J'avais d'autres choses à faire.
Non. Faut juste que je récupère le blason maintenant. Je suppose que là, ça va être le chemin jusqu'au blason. Il me manque que ça, je crois. Et le blason, il s'utilise dans l'un des premiers couloirs, là, pas loin du tank. J'aime pas, il bat du cœur, là. J'aime pas. J'aurais dû prendre un lance-grenade. Ouais, mais j'avais pas de place. Ah! Ah, putain! Ah, espèce de sac de jus dégueulasse! Oh! Vas-y! Hop! Ok, le blason il est là du coup. Bon, ça va, l'araignée m'a pas touché. Ok, on est accueilli par plein de plantes. Bah. Du coup, je trouve ça un peu suspect, enfin, c'est gentil, mais. Pourquoi on m'accueille avec des plantes? J'ai l'impression qu'il va y avoir un peu la merde ici en fait. Et moi, j'ai juste un pistolet amélioré. Si ça l'est amélioré, bah, ça pèse pas lourd, hein, dans la balance. Il y a des herbes bleues. Ouais. Oh là là, oui, il va se passer un truc pas cool, là. Ah non, mais je le sens. Ok, c'est la version géante des espèces de sangsues chelous là. Ok, Pikachu, on va se calmer. Si tu restes dans ta piscine, là, ça me dérange pas. Hein. Oh non, le tétard a évolué. Un tartare. Ah. Mais quoi, il n'y a aucune raison que l'emblème soit là, putain, qu'est-ce que je fais là? Mais... C'est quoi le but? Ouais, je suis pas super serein, quoi. Je comprends au moins pourquoi on m'a donné des soins. Si je vais à côté, là. En fait, faut pas aller à côté. Je suis en train de me dire que je me sentais un peu léger. En fait, il y avait pas mon flingue. Bon, le truc me... une attaque tonnerre si je vais dans la piscine. Mais c'est quoi le but en fait? Pourquoi je le tuerais? Il est tranquillement dans son bassin, je vous la paix. Mais il se casse en fait. Il n'y a pas de porte là. Mais il m'esquive. Mais... Il est un peu plus énervé là, mais... Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Dans l'eau, putain! Il est là, le blason! Allez! Yatta! Non! Ok, c'est bon! Ma vie! Ah, j'ai pas de vie! Vite! Allez! Fonce! C'est bon, je l'ai! Ok, est-ce que ça veut dire que je peux le combiner là tout de suite? Ah ouais, j'ai fait fondre l'acier, maintenant j'ai l'hallebarde.
Et je suis faible. Bah j'ai un peu gaspillé des balles d'ailleurs au passage. On va lui foutre la paix à lui, hein. Je vais le laisser dans sa piscine, je pense qu'il y a moyen de le tuer mais... Ouais, ça va. Allez, je passe aussi. On dirait le 1 dans le sous-sol. Ah oui, là où il y a les requins. Ouais, un peu. Un peu. Il y a un peu ce genre d'ambiance. Mais après, je l'ai dit, hein, c'est un jeu très très fanservice. Très clairement, c'est bourré de références, de clins d'œil, enfin, de choses qui rappellent le Resident Evil que t'as adoré. Et donc, pour la date, la fameuse date où j'ai récupéré Clément, bah, elle est là. Une plaque commémorative, 8 décembre, voilà. Ok. Bah, on va aller sauvegarder. Ouais. Alors, il faudrait aller sauvegarder. Et il faudrait que je ramène l'ascenseur. Comment faut faire déjà? Je suis pas au bon étage là. Non là je crois que c'est fermé. Ouais. Je vais manger un hunter en fait sur le chemin. C'est un peu risqué là ce que j'entreprends de faire. Puisque le. Je recherche en fait le passage du temple. Ce qui est du coup. M'amènerait aussi à l'endroit où je dois déposer ma hallebarde là. Parce que j'ai plus que ça à faire en réalité. Ouais. Très bizarre comme boss. Bah ouais. Bah on est un peu dans le même style de boss que le gros vert en fait. C'est-à-dire c'est. C'est pas réellement un boss. Un mob un peu plus solide. Pas très très difficile à battre, mais... Bon... Alors là, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est juste que... Voilà, ouais, il y a l'Hunter. Il y a l'Hunter... Hunter violet, là. Mais si je réussis à passer ça, je peux sauvegarder. Et après, je vais me casser. Le Hunter est plus là? Mais c'est la fête, c'est Noël! Alors attendez, je vais poser mon. En fait, je le pose directement ici. Je m'attendais pas à ce que ça enchaîne direct sur une cinématique, putain. C'était peut-être pas un bon plan, là, ce que je viens de faire. C'était pas un bon plan du tout. Hold on, Claire. I'll see. Oh là là, mais cette classe!
Et ouais, on reste pas très très longtemps avec Chris sur l'île de Roquefort. D'ailleurs, en vrai, le vrai héros du jeu, c'est pas Chris et Claire, non, c'est plutôt Claire en réalité. Elle tire un peu toute la couverture à elle. Chris, c'est un intervenant, voilà, il la sort de la panade. Mais ça changera vite. Bon, alors on est où? Là, il y a deux portes en fait. Ah, ici c'est un ascenseur d'évacuation d'urgence. Ok, il va falloir que je m'en souvienne. C'est la fratrie Redfield. Ouais, mais je veux dire, dans le jeu, c'est clair qu'il y a plus d'importance. C'est quoi cette chose? Yamete Kudasai! Oh! Dégage! C'est quoi, c'est Alexander qui a pris ses aises? Il faut vraiment faire ça? C'est bon. Oh. C'est l'avion de Claire et Steve. Je peux passer là? Mais je vais bousiller toutes mes munitions si je m'amuse à faire ça. Oh là là! Je préfère affronter ces machins-là plutôt que le Hunter. Ça bouge quand même beaucoup moins rapidement. Selon les tentacules d'Alexia. Oui, c'est vrai qu'Alexia, on l'avait vu à un moment que bah, c'est elle qui a attaqué Claire et Steve. Et elle a la capacité à distance, effectivement, de contrôler les tentacules. Comme dans les Hentai. Oula! Ça a un peu changé. Alors, il y avait la salle des machines de ce côté. Moi, je veux juste une sauvegarde. Moi, je veux te sauvegarder, c'est tout. Je veux sauvegarder, je veux me soigner, je veux... Voilà. Il y a quoi ici? Ah ouais, d'accord. Faire du patin glace. Ouais, il y a un mec en dessous. Ah, il y a des zombies partout. Hey guys. J'hésite. Ouais, j'hésite vachement quand même. Je vais pas traîner ici. Mais j'ai juste un souci. Je sais plus où on sauvegarde. Je sais plus où c'est. Qu'est-ce que... Alors attends, il y a une porte. Je sais plus où est la sauvegarde. Là, je veux juste ça. Juste une sauvegarde. Après, c'est bon, je serai sage, promis. D'accord, donc là, les machines sont en marche. Je voulais pas aller ici avant, non? Donc c'est ce que je disais en fait, c'est assez marrant d'évoluer avec Chris. Puisque bah, les choses changent pas mal, hein. C'est les mêmes lieux, mais tout est disposé autrement. Les endroits qui étaient accessibles avant ne le sont plus, ceux qui étaient auparavant inaccessibles le sont aujourd'hui. Enfin voilà, c'est intéressant quand même. Tu redécouvres un peu les lieux avec Chris. Reviens en arrière et descends l'escalier où il y a les papillons. Ah! Il s'est libéré lui! C'est bon? Lâche-moi! Bon, dites-moi que vous avez des soins là dans cette salle.
quoi là-dedans? Ah mais c'est une valise, je vais pas pouvoir l'ouvrir. J'ai pas l'outil de crochetage. Ouais, j'ai mis... Il y a autre chose. Mais j'ai un soin sur moi. Je m'en souvenais même plus. Et du coup, j'ai gardé ma hallebarde. Ah bon? Ouais, j'imagine que je peux pas l'ouvrir. Et là, je n'ai rien pour crocheter. On la filera à Claire. D'accord. Donc je pense que de ce côté, j'aurai plus besoin d'y revenir. Ouais. On va chercher la sauvegarde. Et je déconne pas par contre, la campagne avec Chris est quand même plus compliquée qu'avec Claire. Il y a quoi déjà ici? J'entends un bruit, je me casse. J'entends un hunter, c'est bon, je suis plus là. Il est contre la porte. Je préviens. Des grenades, bonjour. Je m'en fous du lit, merde. Mec, prends-le. Ah d'accord, de l'autre côté. J'ai vu Chris. C'est un joli lit. Là aussi, un peu le bordel. Trouillard, ouais, pas sauvegardé, là, hein. C'est une peur qu'on n'a plus aujourd'hui avec les jeux modernes. Sauvegarde automatiquement, mais là... si je meurs, je reviens grave loin en arrière, tu vois. Non, j'ai déjà donné, là. J'ai déjà donné avec le Hunter la dernière fois. Stop, ça. Et du coup, ces zombies-là, ils vont certainement se libérer maintenant que je suis là avec Chris. J'étais en train de me dire... c'est donc là que dois-je trouver également Wesker, parce qu'il vient chercher Alexia. Et que Alexia slash... enfin, Alexia... Non, enfin, Alfred est arrivé ici pour libérer Alexia. Donc oui, elle était là depuis le début, en fait. Bon, ça, je range. Ça, je vais ranger. Hein, je sais pas trop ce que j'en fais, mais voilà. Mais j'ai plus le fusil à pompe, du coup. Mais j'avais pas le choix, en fait. Si, j'aurais pu. J'aurais pu revenir le chercher. Dire que j'ai plus le fusil à pompe. Putain, je vais devoir m'en sortir sans le fusil à pompe. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une cinématique tout de suite. J'aurais peut-être été le rechercher. Que là, en fait, j'avais juste à reprendre l'échelle et j'avais le fusil à pompe. Là, je pense que c'est mort, je le retrouverai pas. Bah écoute, j'aurai des balles pour décorer. Mais du coup, je vais peut-être prendre un truc un peu plus costaud, hein. Genre ça. Ah ouais, ça craint. Ça craint un peu, là. J'ai quoi comme soin? Que j'ai un soin complet ou... Ouais, non, je vais être obligé de me faire un petit soin. Non, non, c'est une herbe bleue que j'ai pris. Voilà, je pense qu'on va même se laisser là, en fait. Ouais, allez, on est bien. Bon, mon mélange, j'ai pas besoin de l'utiliser maintenant. Par contre, je vais recharger ça, on sait jamais. Ah, ma carte!
Ben, ça aussi, je peux la poser. Ah, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, là, pour le fusil à pompe. Mais c'est quoi ce jeu qui te donne une arme et qui t'en prive? Ah, la hallebarde! Ah bah attends, on va l'utiliser avant de se quitter. Peut-être que ça va débloquer le fusil à pompe qui est... Enfin, je sais pas, il y a une arme là contre le mur, on dirait. Trouver un Rubik's Cube, merci. Presse-papier. Il y a un dossier. Journal d'Alfred. Cher journal. Aujourd'hui, j'ai mis une jolie robe. Il y a une salle secrète dans le hall d'entrée du complexe antarctique. Je ne sais pas encore ce qu'il s'y cache, mais j'ai découvert comment pénétrer dans la pièce. Il faut que j'utilise les joyaux que chacun d'entre nous porte, en signe d'appartenance à la lignée des Ashford. Je dispose du mien et de celui de ma sœur. Mais comment récupérer celui de mon père ? Je suis enfin parvenu à pénétrer dans cette salle. Je ne peux me résoudre à croire que ce que j'y ai découvert au sujet de ma naissance est celle d'Alexia. Je hais mon père. Quelle folie ! Il nous a créés que pour pallier sa maladresse. Alexander a déshonoré notre famille. Seule Alexia et moi pouvons laver cet affront désormais. En vrai, on a vu qu'Alfred, il a quand même pas mal pété un plomb. Hein. Mais je n'ai rien à craindre tant qu'Alexia est avec moi. Alexia a enfin effectué l'expérience sur le corps humain que nous préparions depuis si longtemps. Notre idiot de père peut être heureux. Il aura finalement contribué à sa manière à l'honneur de notre famille. Nous devons juste prendre garde à ce qu'Arman, le majordome, ne prenne connaissance de nos activités. 22 avril, c'est un échec! Notre père n'a même pas servi à cela. Pire, il s'est transformé en un monstre incontrôlable. Et oui, et oui. Alexander, c'est la bestiole qu'on a affrontée avec Claire, qui se trouvait dans la pièce juste à côté, en fait, qui était enchaînée. Et qui a servi de sujet de test à Alfred et Alexia. C'est... vraiment, deux personnages diaboliques, quoi. Nous avons finalement réussi à le neutraliser et à l'enfermer dans une cellule souterraine. Alexia semble avoir compris d'où venait le problème. Contre toute attente, elle désire procéder à la prochaine tentative sur elle-même. Elle dit devoir rester endormie pendant 15 ans pour l'expérience. Par la faute de cet imbécile, je serai privé de ma chère Alexia pendant 15 longues années. Alexia va s'assoupir. Elle a placé toute sa confiance en moi. Je suis maintenant le seul à la protéger. Et ce journal-là, il est vachement important. Parce que du coup, tu sais pourquoi Alexia se trouvait ici, endormie en cryogénie. Tu sais qui était le boss qu'on a affronté à un moment. D'ailleurs, il avait quelque chose à l'oreille, on pourrait s'imaginer que c'était le fameux cristal de la famille dont ils ont besoin. Donc voilà, vraiment, c'est très important. Et du coup, là, voilà, il se trouvait ici, Alexander. Il était en bas. Ouais. Les gosses indignes. Il les a mal élevés. On va sauvegarder, et puis on va se laisser là. La fameuse sauvegarde que j'attends depuis... depuis un petit moment. Je suis un peu dégoûté, ceci dit, d'avoir... loupé le fusil à pompe. Allez. J'ai hésité pendant un moment à me dire, est-ce que je referai pas tout seul le trajet pour récupérer le fusil à pompe, mais tant pis. Je l'ai pas pris, j'assume. Peut-être que je retrouverai un autre ici. Peut-être pas. C'est pas grave, dans tous les cas, j'imagine que le jeu a pensé... voilà, il a pallié au fait que tu aies pas pensé à récupérer le fusil. On verra bien. Peut-être que je vais me frotter à quelques difficultés. Voilà, bon.
En tout cas, c'était cool cette partie. J'espère que vous aussi, vous l'avez trouvé cool. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très bientôt. Voilà.